Eh bien, salut tout le monde, c'est DrakeLeGun31, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo en mode détente avec McFly86. Salut poteau. Salut, salut. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Alors on est sur War Thunder. Et on va bouffer de la viande, on va faire du fight dog. T'es où là à peu près? T'es plus haut que moi ou quoi? Ah Je ouais. suis descendu sur la gauche pour me faire les véhicules au sol. Je te suis. T'as deux avions sur ta position qui arrivent vers d'en haut. Et il fonce droit vers nos chers alliés. Ah, ou pas. Ah, putain. Ils sont Ah, pas trop. y a l'un qui t'a pris en chasse. Je le Ouais. vois. Ils sont pas d'accord que je bombarde leur véhicule. Bon, voilà. Bon, je décroche pour l'avion. Je prends l'avion et je vais lâcher. Voilà, allez, c'est parti. Touché, c'est un Go. biplane. Oh, Go. tu peux le tracer très rapidement, c'est un biplane, donc. Bien le voir surtout. Ouais, Ah j'étais oui, trop d'accord. rapide pour lui. Il était trop rapide. Tu l'as loqué? Ouais, je l'ai loqué, il est à ton cul. Oh, Drake. Ah. Moi je vais réduire ma vitesse. Aïe aïe aïe. Ah oui, il y a l'artillerie aussi qui se fait plaisir. Ouais, Ah. il faut que je prenne de l'altitude. Waouh! Ah, je vais crever! L'ai perdu. Ah ben non. Ah ben c'est bon. Mayday! Une artillerie déjà. Mayday! 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 Artillerie. Je me suis fait dégommer par un hurricane. Oh, j'ai réussi à détruire le troisième avant de mourir. Ah, super. Là, on va passer aux choses sérieuses. Oh putain. Alors pour ceux qui connaissent pas War Thunder, War Thunder est un free-to-play. On va pas dire un jeu de simulation, mais sur Okay. la Seconde Guerre mondiale. Alors il y Ouais, a les. voilà, c'est un dérivé de World of Tanks en fait, parce que là on est en avion, mais on peut très bien aussi piloter un char, donc Oui, il y a le char. c'est les deux en un seul jeu en fait. C'est Alors que ça. World of Tanks, c'est soit les tanks, et après il y a le jeu pour les avions et le jeu pour les bateaux. Et de ce que j'avais compris, c'est que les tanks, c'est nouveau. Et ils avaient prévu C'est normalement de nouveau faire et des bateaux. ils ont prévu de mettre les bateaux aussi. Wow. Oh le con! D'accord, c'est pas grave. J'ai oublié de remonter, je me suis craché dans une. Ouais, pour l'instant, moi, ça va. Je frôle un peu, mais. Ouais, je te vois, t'es un peu. T'es proche des artilleurs, toi, quand même, hein. T'es un peu fifou, Ouais, je suis fifou. hein. Il fait du razzmat au-dessus de l'artillerie. Yeehaw! Wow. Ne touche pas, connard! Toi, t'as tiré sur monsieur Drake J'ai plus d'ailes. Je vais utiliser mon train d'atterrissage. t'ai vengé. Ouais, je l'ai vu sauveur de chasseurs, j'ai gagné. Et sauveur de force terrestre. J'ai tout au dernier moment quand je crève. J'ai rien compris. Comme vous pouvez voir, moi j'ai pris les avions allemands. Pourquoi? Parce que je le suis. C'est le plus évolué. Alors que j'avais commencé avec les Russes. Qui sont assez sympas. Toi, Mac, t'es avec quoi? Moi j'avais commencé avec les Japonais parce qu'ils ont des avions vraiment bah Léger. déjà que niveau design j'aime beaucoup. Après niveau vitesse ils sont hyper rapides aussi, mais c'est surtout parce que bah, ils sont puissants, ils sont un peu cheatés quand même. Mais du coup là je suis avec les Américains, j'ai plus accroché avec les Américains. Ah J'ai fait totalement l'inverse en fait, jour et la nuit quoi. ouais, c'est Ah, pas dégueu. j'ai plus de moteur, je suis par terre. Ah bah il y avait un arbre, c'est dommage. J'avais une aile en moins, je me suis posé, j'ai glissé sur l'herbe tranquillement.
debout dans la chambre. Et malheureusement, il y a eu un arbre. Attention, je suis sur un avion, un biplane. Oui. Je vais tenter l'artillerie, mais qui est au niveau de leur base d'atterrissage. Tiens. Alors là, j'essaie de m'attaquer à des avions qui sont beaucoup plus évolués. Oui, t'as raison, parce que niveau XP, ça sera... Bon, là, par contre, on n'est pas prêt de gagner, on n'est pas prêt de perdre. Ah, c'est un match qui est serré, hein. C'est un match qui est serré. C'est serré. Bon, ouais, bah, je vais peut-être pas aller attaquer leurs artilleurs à la base, je vais m'occuper des... Tout à fait, Michel. Voilà. Putain, j'arrive pas à me la faire. Ah d'accord, putain, il était derrière le... Derrière le monticule de terre. On va freiner un petit coup et on tape une petite accélération au retour. Wow. Alors, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que quand on est touché, parce qu'il l'a pas dit, mais du coup je vais le dire, on peut rentrer à notre base en fait pour oui, se tout poser à fait. Et... Oui, on peut se poser pour se réparer. Sachant que bah, moi, là, j'ai la plupart de mes avions pour le moment ont leur train d'atterrissage sorti. Voilà, je me suis encore crashé. Allez hop, assistance. Train d'atterrissage sorti, mais la plupart après n'ont pas de train d'atterrissage sorti et il faut penser à le sortir bien évidemment. T'as remarqué que quand on abat un avion, que l'avion n'est pas totalement détruit, tu peux continuer à le pilonner au sol avant qu'il disparaisse et ça te fait gagner des trucs. Ouais, j'ai remarqué. Ouais. Je le fais quand je peux. Ouais, là, je vais me scratcher. Attends, je vais essayer de me poser gentiment. Gentiment. Existence de destruction. Je me suis posé gentiment. C'est super. Là, on est trois sur le même avion. Le pauvre. Atterrissage en douceur. J'ai plus d'ailes et mon moteur est en feu. Mais je me suis posé en douceur. Je me suis posé un peu seul. Allez. C'est bien logique pour un Américain. Bon. Eh ben, cette petite partie est finie. Oh putain, c'est serré là. Encore un qui meurt de chaque côté, ouais. C'est foutu. C'est foutu là. J'y travaille. Ouais, ben, dépêche-toi. Vite, vite, c'est serré là. Oh là là. C'est très serré. C'est bon, on a gagné. Ouh la vache. Meilleur escouade. On est la meilleure escouade. Ouais, on est la meilleure escouade. Ah, on n'a jamais voulu. Ah, faut pas nous faire chier, nous. Ah non, pas du tout. Qu'est-ce que j'ai eu? Vous avez recherché des améliorations de ce niveau. Cool. Ah, qu'est-ce que j'ai débloqué? Ah, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est... Modification pour le HE-112-V5. Super. Alors ce qui est chiant, c'est qu'on a, on n'a pas le temps de voir les tableaux des scores. Ça, c'est chiant. Ah, si, voilà. Mon prochain chasseur que j'ai lancé la recherche... C'est bon, ça. Mon prochain chasseur sera le P40E1. Alors là, je vais voir ce que... J'avais une modification, apparemment. Ouais. Donc voilà. Quand je vous montre un peu viteuf les mes avions. Donc ça c'est mes avions allemands. Les Américains, j'ai pas beaucoup évolué. Hein. Comme vous pouvez le voir, j'ai que 4 avions. Les Allemands, bon, c'est ça va, j'en ai 5. Les Russes, c'est pareil, j'en ai 5 aussi. Ça c'est pas trop mal. Et après, voilà, les Japonais et les Anglais, j'ai pas encore touché. Mais ça devrait venir, je pense. Donc voilà. Moi, américain, j'en ai 5. Japonais, j'en ai 4. Et ouais. Le reste, j'ai pas touché. Bon, et bien c'est là que cette petite vidéo va se terminer parce que c'était une petite vidéo spéciale détente. Et pour plus c'est court, plus c'est mieux, je trouve. Et ça permettra d'en refaire d'autres si vous avez aimé la vidéo. Allez voir la chaîne de McFly86, je te fais un petit coup de pub en même temps. Allez voir McFly, la chaîne pardon, de McFly86, je vous mettrai le lien dans la description, en dessous de la vidéo. Quant à moi, c'est toujours un plaisir de faire des vidéos pour vous.
Allez voir les petites vidéos de McFly 86, elles sont vraiment assez sympas là. Et en plus, t'es sur un nouveau let's play sur Stranded Deep, deuxième épisode. Donc tu vois que je suis ta chaîne, hein, je suis ta chaîne. Je sais bien. Le deuxième est sorti hier. Oh. Ah oui, hier, oui, c'est vrai, hier. Bon, ben voilà. Je te laisse le dernier mot pour la fin. Eh ben, merci à tous de nous suivre sur nos chaînes. Merci à toi, Poto, pour ton invitation. Ça fait toujours plaisir. Et à la prochaine, les gens. Ciao, ciao. Ciao, ciao.